وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sourate Al-A'la. C'est une sourate makkiya aussi, pré-égyrienne. Cette sourate, comme vous savez, on l'avait dit aussi pour Sourate Al-Ghashiya, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les lisait pour les occasions où il y avait la réunion des musulmans, pour le Jumu'ah, pour les jours de l'Aïd. Sourate Al-A'la dans la première rak'a et Sourate Al-Ghashiya dans la deuxième rak'a. Et vous verrez dans ces deux sourates, il y a un rappel évident de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses signes, de l'au-delà, de la mort, des comptes du jour du jugement dernier, de l'état de ceux qui réussissent et de l'état de ceux qui perdent. Et on voit que le Coran appuie beaucoup et insiste sur le rappel de ces points-là. Combien de versets du Coran, combien de sourates évoquent le jour du jugement dernier, évoquent les situations des gens le jour du jugement dernier, évoquent le paradis, l'enfer, évoquent le tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms, ses attributs, ses qualités, dans le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala, il est ghayri dhalik. Bismillahirrahmanirrahim, on a dit que la basmala fait partie du Coran, c'est la parole d'Allah, mais elle ne fait pas partie de la surah qui est avant, ni de la surah qui est présente. C'est un verset à part entière en fait. Elle vient avant de débuter une surah, sauf dans Sourate At-Tawbah. Allah tabarak wa ta'ala dit « Sabbih isma rabbika al-a'la » ce que l'on pourrait traduire par « Exalte le nom de ton Seigneur le Très-Haut » ou « Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut ». Il parle à qui ici, subhanahu wa ta'ala ? Il parle au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah tabarak wa ta'ala parle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, ce discours qui est dirigé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est de trois catégories différentes. La première catégorie, c'est les paroles qui sont dirigées vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement, que pour lui, et pour nul autre que lui, alayhi salatu wa sallam. La deuxième catégorie, c'est le discours qui est dirigé pour tous les gens. La troisième catégorie, c'est le discours qui est dirigé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, mais le statut juridique, il est général pour tout le monde. Comment on reconnaît ces trois catégories-là ? La première catégorie, on la reconnaît quand il y a une preuve que ce discours-là, ou ce texte, ou cet ordre, ou cette injonction, il y a une preuve qu'elle est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la base, c'est que ce qu'Allah ta'ala dit dans le Coran, en général, c'est que c'est pour tout le monde. Car le Coran est un message pour l'humanité. Donc il faut une preuve. S'il y a une preuve qui vient déterminer que ce discours est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous dirons que ce verset, il est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le discours et dans le statut juridique. Donc si il y a une preuve de cela, on dit que ce discours est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lafdan wa hukman. L'exemple de la première catégorie, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine et déchargé de tes péchés, de ton poids.
On voit ici que Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est spécifique à lui. Car Allah ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et il lui a ouvert la poitrine à la guider et à la révélation. Donc ici c'est spécifique au prophète alayhi salat wa salam. De même, et on t'a envoyé comme messager pour les hommes. Ici on sait très bien que c'est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple du deuxième cas ou de la deuxième catégorie, la parole qui est dirigée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est voulu en cela la généralité des gens. C'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate At-Talaq, dans le premier verset, Ya ayyuhan nabiyyu, ô toi prophète, si vous divorcez les femmes, alors divorcez-les pendant leur période de pureté. Ici, le premier qui est concerné par Al-Khitab, le discours, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah ta'ala dit Ya ayyuhan nabiyyu, ô toi prophète. Mais après, on voit que toute la communauté est visée même dans le discours et pas seulement dans le statut juridique. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, si vous divorcez les femmes, il n'a pas dit si tu divorces. Il n'a pas dit, ô toi prophète, quand tu divorces une femme, fais comme ça. Il a dit, ô toi prophète, quand vous divorcez les femmes, c'est-à-dire vous tous les musulmans. Donc ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vise aussi la communauté entière, que ce soit dans le discours ou dans le statut juridique. La troisième catégorie, c'est la catégorie où dans le discours, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est visé, mais dans le statut juridique, ça englobe tout le monde. Et ça, il y en a beaucoup dans le Coran al-Karim. Où Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou utilise le pronom personnel singulier. Mais il ne veut pas par cela que ce soit spécifique au prophète alayhi salatu wa sallam. L'exemple de cela, c'est ce verset. Sabbih isma rabbika al-a'la. Exalte le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Ce discours, il est donné à qui quand il dit « exalte » vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le statut ou l'ordre, il est dirigé que vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Non. Et à sa communauté derrière lui. Donc voilà, dans le Coran, les trois catégories de discours quand ils sont dirigés vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Sabbih » c'est l'impératif de « sabbaha yusabbihu ». On pourrait traduire par « sabbaha » par la transcendance. Transcender, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des autres, subhanahu wa ta'ala, en qualité. Et il est loin de tout manquement. C'est ça, tasbih, de renier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toute qualité ou tout attribut qui ne lui est pas propre et qui ne lui convient pas, subhanahu wa ta'ala, qui ne convient pas à sa grandeur et à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms, il y a as-salam. Salam, c'est pas seulement la paix. Tu es préservé de tout manquement, préservé de tout mal. C'est pour ça quand on dit assalamu alayk, c'est-à-dire que la paix, le salut, la protection soit sur toi. C'est dans ce sens-là. Tu demandes la protection d'Allah sur la personne, qu'il soit préservé de tout mal. Donc c'est le nom d'Allah Ta'ala, assalam, c'est qu'il est préservé de tout manquement, de tout attribut qui ne lui est pas propre, dans lequel il y a un manquement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on purifie Allah subhanahu wa ta'ala de tout manquement, quand on dit Al-Quddus, le pur, le saint, c'est-à-dire il est saint de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun manquement qui le touche, aucune faiblesse, aucun mal, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi les qualités d'Allah, ses attributs, il y a Al-Hayat, la vie, n'est-ce pas ? Cet attribut-là, il y a des créatures qui la partagent. Il y a des créatures aussi qui sont vivantes. L'être humain, il est vivant. Les insectes sont vivants. Mais est-ce que la vie, cet attribut qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui est attribué à la créature, c'est la même ? Pas du tout. La vie de l'être humain, elle a eu un début. Elle n'a pas été éternelle dans le passé. Mais la vie d'Allah, elle est éternelle. Allah ta'ala, c'est le vivant dans l'absolu. La vie de l'être humain, elle va avoir un terme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sa vie, subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle dans le passé et dans le futur. Et donc, subhanahu wa ta'ala, il a sifatul hayat, la qualité, l'attribut de la vie, mais dans l'absolu et dans la perfection et avec aucun manquement. C'est ça le sens de subhanallah. C'est ça le sens que tu glorifies Allah, tu exaltes Allah dans ses qualités, dans ses attributs. Tu exaltes ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Tu éloignes de lui tout manquement en lui-même, subhanahu wa ta'ala, ou dans ses attributs. C'est ça l'ordre qu'Allah Ta'ala dit. Sabbih isma rabbika al-a'la. Exalte le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Un autre exemple. Louis.
c'est-à-dire le fait d'entendre. Il y a des créatures aussi qui entendent. Mais lui, comment Allah entend et comment les créatures entendent, ça n'en a rien à voir. Et c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui l'entendant et le voyant. Et pourtant, il a donné ces qualités-là à l'être humain. Il a dit, nous l'avons fait entendant et voyant, en parlant de l'être humain, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que, parce que ces attributs-là et ces noms, ils ont dans le nom, dans la détermination de cet attribut qu'on lui a donné, ils ont le même nom, est-ce que ça veut dire que c'est la même réalité? Non. Laysa kamithlihi shay. Allah Ta'ala, il l'entend parfaitement. Il entend toutes choses. Il entend les détails, ce qui est caché, ce qui est dit à haute voix, ou ce qui est dit à voix basse. Ce que son âme lui insuffle, Allah, il l'entend. Ton âme, ce qu'elle t'insuffle, Allah Ta'ala, il l'entend. Subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha, elle était à côté de la femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat al-Mujadala. Elle est venue et Allah Ta'ala dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Aïcha radiallahu anha était à côté, elle n'entendait pas tout. Et d'ailleurs, elle a dit Subhan, Alhamdulillah, il a dit وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ quand ce verset a été révélé. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, son ouïe, elle est parfaite, subhanahu wa ta'ala, sans aucun manquement. C'est ça le sens de tasbih. C'est que tu éloignes, purifies Allah de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Dans sa personne, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms ou ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Il est loin de tout manquement. Naam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Sabbih isma rabbika al-a'la » glorifie ou bien exalte le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Ici, est-ce que c'est ce qui est demandé, c'est d'exalter son nom ou ce à quoi le nom dirige, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens, exalte Allah en citant ses noms, en glorifiant son nom. C'est-à-dire, ne l'exalte pas en toi-même, avec ta langue. Prononce avec ta langue cette glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbika, ton Seigneur. Rabbu, le Seigneur, c'est le Créateur, le Possesseur et celui qui gère, celui qui pourvoit, subhanahu wa ta'ala, qui donne la vie, qui donne la mort. Et le fait d'affirmer que Allah, c'est notre Créateur, celui qui nous possède et qui possède toutes choses, qui nous régit et qui régit l'univers et qui n'a besoin de personne, cette chose-là, la majorité du monde et de l'aide de la race humaine, elle le reconnaît. Les Quraysh, ils ne reniaient pas cela. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils disent Allah. Qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre et qui détient lui et la vie et la mort? Ils disent Allah. C'est-à-dire qu'ils ne renient pas que Allah c'est lui le Seigneur et Maître de l'univers. Mais ils lui donnaient des associés dans l'adoration. Ils ne lui vouaient pas un culte exclusif et pur. Et c'est pour ça que Allah les a jugés mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a jugés mécréants et il les a combattus et il a rendu leur sang halal. Donc cela ne suffit pas de reconnaître que Allah c'est le créateur, le possesseur, le détenteur de toutes choses. Comme certaines sectes, ils traduisent la ilaha illallah par il n'y a personne qui est capable de créer sauf Allah, ils disent. Et la sha'ira, c'est comme ça qu'ils traduisent la ilaha illallah. Et c'est dans cette base-là déjà de la compréhension de la ilaha illallah, la majorité des sectes déjà elles se sont créées à partir de cet égarement-là. Entre ceux qui disent que il n'y a rien qui existe sauf Allah, la croyance du panthéisme, Wahdatul Wujud, qui disent que tout est Allah et Allah est tout. Pour eux, il n'y a pas de créature et créateur. Pour eux, le tawhid, c'est le sens tout est Allah. Jusqu'à un d'eux, il a dit je suis Allah. Et les ulama, ils ont jugé de sa mécréance et il a été exécuté. Ça, c'est la croyance de Ibn Arabi et de l'Hallaj et de tous ceux qui les ont suivis. Ashab Wahdatul Wujud, etc. Donc, la ilaha illallah, si tu le traduis que par « il n'y a que Allah qui est capable de créer », les Quraysh disent ça, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi dans ce cas-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus? Puisque si pour vous ça c'est ça l'iman, c'est ça la ilaha illallah, donc c'est fini. On accepte qu'ils sont croyants, on n'a pas besoin de les combattre, on les considère comme musulmans. Mais non, ni Allah ni son messager ne les ont considérés comme musulmans, mais ils les ont considérés comme mécréants. On trouve aussi cette erreur d'interprétation chez Jama'at al-Tablir. Leur explication de la ilaha illallah, c'est qu'on sorte les mauvaises certitudes sur les choses et on met la certitude en Allah.
Et ça, déjà, rien que cette explication-là, elle est déjà, rien que le tawhid, dans la seigneurie, elle ne l'englobe pas. Elle a déjà une erreur. Sortir la certitude sur les choses, c'est-à-dire que pour eux, tu dois pas être sûr que devant toi, tu as un micro. Allahu a'lam. C'est quoi? Je sais pas. Certitude sur les choses. T'existes, t'existes pas. Allahu a'lam. Tout est douteux. Sauf Allah. Non. Tout ce qu'Allah Ta'ala a dit que ça existait et qui existait, ou les choses qu'on peut voir de nos yeux qui sont certaines, c'est pas douteux, c'est des certitudes. Donc déjà, cette explication, elle est fausse. Elle n'englobe même pas Tawhid al-Rububiyya. Elle n'englobe rien, à part l'égarement, cette explication. Alors, sans parler du fait qu'ils ont rejeté Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire, pour eux, on ne voue pas un culte exclusif à Allah. Mais ça, c'est voulu. De toutes ces jama'at hizbiyya, de tous ces groupes sectaires, que ce soit Ikhwan al-Muslimin, que ce soit Tablir, tous les hizbiyyin, tous ces sectaires qui appellent à leur hizb, ils veulent faire tout pour ne pas fâcher les gens. Dire ce qui plaît aux gens. Donc, si tu dis la ilaha illallah, c'est Allah, c'est le créateur, tu vas englober au plus large. Tu ramasses tout le monde au passage. Tout le monde peut rentrer dans ton groupe. Mais si tu viens, tu combats leurs mauvaises croyances. Si tu viens, tu dis t'es un mouchrik. Si tu viens, tu lui dis qu'en faisant ça, tu sors de l'islam. Alors là, tu vas te faire des ennemis. Tout le monde ne va pas t'aimer. Donc c'est pour ça que eux, toutes ces jama'at, leur manhaj, leur méthodologie, c'est réunir le poison et l'antidote ensemble, le pourri, le moisi, ce qui sent mauvais et ce qui sent bon ensemble, et on met tout dans le même cageot. Et à la fin, tout pourri. Et c'est pour ça que cette règle que les Ikhwan, ils ont inventée, on se réunit dans ce sur quoi on est d'accord et on se trouve des excuses sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Les savants ont dit que c'est la règle la plus corrompue qui existe dans cette époque. Et dernièrement, Cheikh Saleh Al-Suhaimi, hafidhahullah, a appuyé sur cela. C'est la règle la plus corrompue qui puisse exister dans cette époque. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent de la sunna qui mettent en pratique cette règle et qui appellent à cette règle. Et qu'ils ne s'unissent pas autour de la vérité. Sabbih isma rabbika al-a'la. Le fait de reconnaître qu'Allah c'est notre Seigneur, ce n'est pas suffisant. Mais celui qui est sincère, celui qui reconnaît qu'Allah c'est son Seigneur, comment il peut lui vouer une adoration à autre qu'Allah? Il y a des versets qui sont dans ce sens-là, où Allah tabaraka wa ta'ala rappelle son bienfait, qu'Allah il nous a créés, qu'Allah il nous a donné, il pourvoit nos besoins. C'est-à-dire, comment on adore autre qu'Allah? Puis après cela, Allah Ta'ala nous appelle à son adoration. De même, les hadiths Qudsi, les hadiths Sahiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand des péchés, c'est de donner un égal à Allah dans l'adoration alors que c'est lui qui t'a créé. Donc si tu reconnais, ô toi serviteur, qu'Allah c'est ton créateur, alors ne voue pas un culte et ne dirige pas une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui donne pas d'associé. C'est dans ce sens-là, si tu reconnais la seigneurie d'Allah, alors, celui qui reconnaît réellement et sincèrement la seigneurie d'Allah, il ne peut adorer qu'Allah seul et ne pas lui donner d'associé. Plusieurs versets sont venus dans ce sens-là. Où Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Baqara dit « Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum » « Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous. » Donc si vous reconnaissez que c'est lui qui vous a créé et qui a créé les gens avant vous, alors adorez-le lui seul et sans lui donner d'associé. Naam. سبح اسم ربك الأعلى. Le très haut. Ça vient de l'élévation. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui est élevé en lui-même, subhanahu wa ta'ala, en son entité et dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et là, ces deux catégories-là, c'est lui qui a les qualités les plus élevées, les plus hautes qualités. Et c'est lui aussi qui est élevé au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il ne se mélange pas à sa création. Le créateur est au-dessus de ses créatures, comme il a été révélé dans le Coran par des dizaines, on pourrait dire des centaines de versets, si on les réunissait tous. Plusieurs versets, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, tous les versets qui disent qu'Allah il est au ciel, etc. Au ciel, c'est quand on dit au ciel en français, ça ne veut pas dire dans les nuages. Allah ybarak fikoum. Si on le prend dans le sens en arabe, au ciel, fi sama, c'est-à-dire dans, il est élevé, élevé au-dessus de ses créatures. Pas dans les nuages, dans le ciel, dans l'ozone, comme les gens ils pourraient comprendre. Barakallahu fikoum. Naam. C'est lui qui a les qualités et les attributs les plus complètes et les plus parfaites. Ce dhikr-là, on le dit à un moment où on est au plus bas, nous, dans le sujoud.
quand notre front touche le sol, qu'est-ce qu'on dit? Subhana Rabbi al-A'la. On met en pratique cet ordre. Sabbih isma Rabbika al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. C'est-à-dire que tu reconnais que toi tu es au plus bas et qu'Allah Ta'ala c'est lui qui est le plus haut. Car ton visage, qui est la chose la plus noble chez l'être humain, tu la frottes au sol, là où les pieds des gens marchent. Et tu le fais par humilité et par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tu te rappelles que tu es toi, serviteur, au plus bas, et qu'il est lui, subhanahu wa ta'ala, le créateur, au plus haut. Et c'est pour ça, cette évocation que l'on fait dans le sujoud, c'est une évocation qui est appropriée à dire dans le sujoud. Aussi, c'est pour repousser l'idée que Shaitan pourrait ramener. Quelqu'un est prosterné et on dit que là où il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est prosterné. C'est-à-dire qu'il ne croit pas par cela qu'il est plus proche que Allah Ta'ala, il serait là, en dessous. Mais c'est à ce moment-là que tu te rappelles qu'il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, et tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Gloire et pureté, que le nom de mon Seigneur soit exalté, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa fasawwa. Celui qui a créé et agencé harmonieusement. Naam, Allah tabarak wa ta'ala, il a créé. On a dit que c'était lui le créateur, c'est dans le sens de Rabb. Il nous crée et il crée aussi ce que on fait. La preuve, l'être humain aujourd'hui, malgré toute la technologie à laquelle il est arrivé, surtout ce dernier siècle, comment, là, c'est-à-dire l'humanité, elle a fait des grands avancements en technologie. Malgré ces grands avancements-là, est-ce qu'ils sont capables de créer une graine? Une poussière, une mouche, comme Allah tabaraka wa ta'ala les a mis au défi. Si toutes leurs divinités se réunissaient tous ensemble pour créer une mouche, ils ne pourraient pas. Est-ce qu'ils peuvent créer une mouche de rien, du néant? Non. Maintenant, ils croient qu'ils sont forts parce qu'ils ont fait, par exemple, des robots qui ressemblent à des êtres humains. Ils n'ont fait que assembler des matières qu'Allah a créées. Même ce robot être humain qu'ils ont fait, est-ce qu'il a les mêmes sensations que l'être humain? Il a des sentiments, il a faim, il a soif. Et il peut méditer, réfléchir comme un être humain? Non. Il est loin de tout cela. Et pourtant, ils n'ont rien créé. Ils n'ont fait que assembler. Ils se sont fatigués des années et des années pour aller assembler quelqu'un qui fait trois pas. Alors qu'Allah, tabarak wa ta'ala, quand il veut créer quelque chose, il lui suffit de dire « soit », cette chose, elle est. Ici, je veux faire une remarque qui est importante. On entend certaines personnes, ils font des doigts dans le monde arabe, ceux qui comprennent l'arabe. Et ils disent « oh toi !» qui, quand tu veux une chose, ton ordre est entre le kaf et le noun. Ça, c'est faux. L'ordre d'Allah, il n'est pas entre le kaf et le noun. Le verset, il dit que quand Allah veut une chose, il dit kun, soit, puis cette chose, elle est. Donc, elle n'est pas entre le kaf et le noun. Elle vient après le mot kun. Donc, c'est une erreur de dire ce terme-là. Cette dua-là, c'est une erreur, comme les savants ont montré. Donc, Allah, tabarak wa ta'ala, lui suffit de dire kun. Cette chose, elle est. Et il a dit, l'exemple de Isa, de Jésus, comme ils disent, Ibn Maryam, chez Allah, est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé de terre, puis il lui a dit soi, et il a été. Yom al-Qiyam, tous les hommes qui ont été détruits, ceux qui sont devenus poussière, ceux qui ont été brûlés, ceux qui ont été mangés par la mer, par les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre, une injonction, une sommation, tout le monde est debout. Celui qui était poussière, celui qui a été mangé par les animaux, celui qui s'est fait brûler, celui qui, les hindous, ils l'ont fait en poussière, ils l'ont répandu dans le Gange. Une sommation, tout le monde est debout. Est-ce que toutes les créatures, toutes les divinités qu'ils ont prises en dehors d'Allah, elles sont capables de se réunir pour créer une aile de moustique, un grain de rien, du néant? Personne. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de créer. Et Allah, il les a mis au défi. Si tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne pourront jamais créer une mouche, même s'ils s'unissent tous ensemble. Il y a quelque chose de plus méprisable qu'une mouche? Non. Donc, alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa, c'est-à-dire qu'il a tout agencé, subhanahu wa ta'ala, harmonieusement. Comment Allah il a créé l'être humain? Le premier qu'il a fait harmonieusement, c'est l'être humain, subhanahu wa ta'ala. Comment il l'a créé? Comment il l'a fait qu'il se lève sur deux jambes, qu'il marche, qu'il a ses yeux sur sa tête, son cœur dans sa poitrine? Comment Allah ta'ala il l'a fait parfaitement? Il l'a fait harmonieusement. Tout est harmonieux. Comment ses membres, comment ses doigts, chaque chose, comment elle est faite avec harmonie.
Comment chaque chose, elle est faite avec harmonie chez cet être humain et chez la création en général. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Infitar, celui qui t'a créé, qui t'a façonné harmonieusement et qui t'a fait, c'est-à-dire équilibré, il t'a fait d'une image comme Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, comment il t'a, c'est-à-dire façonné de cette image parfaite dans le sens. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans surat al-Tin, wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme sous sa meilleure forme. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé, mais il a aussi tout gérer harmonieusement, subhanahu wa ta'ala, et surtout cet être humain et toutes les créatures. Et celui qui a déterminé et guidé. Qaddara. Allah ta'ala, il a déterminé toutes choses. Il a déterminé la durée des choses. Il a déterminé leur taille. Il a déterminé leurs caractéristiques. Il a déterminé leur entité. Il a déterminé leur destinée. Tout est déterminé. Il n'y a rien qui est au hasard. Tout est fait avec détermination fixée. Un terme fixé à chaque chose. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans la caractéristique, c'est déterminé, tout est déterminé. Est-ce qu'il y a une chose dans l'univers, quelqu'un a pu le déterminer lui-même, comment se faire? Toute chose est déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il l'a déterminé avec des limites bien précises. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Surat al-Furqan, et il a créé toute chose et il lui a donné une détermination précise. Il l'a bel et bien déterminé, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas suffi, subhanahu wa ta'ala, de déterminer chaque chose. Alladhi walladhi qaddara fahada. Et il a guidé. Al-hidayah ici, fahada, c'est dans deux sens. La guidée religieuse et la guidée universelle. La guidée universelle, ce qu'on pourrait appeler l'instinct. Par exemple, chaque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, les créatures, les animaux, les insectes, il y a un instinct en eux. Il se lève, personne ne lui a enseigné comment marcher, comment partir, qu'est-ce qu'il doit manger, où il doit chasser. Comment il sait tout ça? Il sait que certaines plantes, il ne doit pas y toucher, c'est venimeux pour lui, d'autres plantes. Comment il sait tout ça? Fahada, Allah, il l'a guidé à ce qui est bénéfique pour lui, à ce qui est bien pour le bon fonctionnement de l'univers. Et subhanallah, wallah al-azim, je ne comprends pas comment ils peuvent être mécréants, les gens qui étudient la création. Mais subhanallah, c'est vraiment des gens qui méritent la mécréance, parce qu'ils voient cela et ils ne croient pas. Comment Allah ta'ala, il a fait les insectes, les animaux, une chaîne alimentaire tellement parfaite? S'il y a un déséquilibre quelque part, ça déséquilibre toutes les races et l'être humain, il en pâtit aussi. Et l'être humain, il en pâtit. Rien que les insectes, les mouches, les abeilles, on croit que ça ne sert à rien, les sauterelles, les je ne sais quoi. Ils sont la cause de polliniser toutes les fleurs, les fruits, les légumes qu'on mange. Ceux qui disent que la tomate, c'est un fruit, le mouhim. Tout ce qu'on mange, hein, ça a besoin d'une pollinisation. Allah Ta'ala, il a fait, quand l'abeille, elle vient dans certaines plantes, elle ne peut pas aller chercher le nectar sans tomber dans le pollen qui s'accroche à ses ailes et à son dos et elle ressort avec pour aller dans un autre. C'est comme si c'était un piège bien fait. Il tombe dans le piège, il prend le pollen, il repart. Il y a des plantes, elles sont vraiment, subhanallah, incroyables. Comment Allah Ta'ala les a faites? Elles font, par exemple, les mouches. Il y a certaines plantes, elles n'ont pas de nectar pour les abeilles. Mais elles servent des mouches pour les faire polliniser. Les mouches, elles sont attirées par l'odeur de la viande non cuite. Pourquoi? Parce qu'elles pondent dans la viande leurs larves. Les larves, elles mangent la viande, après elles deviennent des mouches. C'est comme ça. Alors, il y a une plante, elle prend la couleur et l'odeur d'une viande. Pour que la mouche, elle vienne dedans, elle tombe dans le piège, elle va polliniser l'autre plante comme ça. Qui lui a dit de faire ça? Walladhi qaddara fahada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé justement comment elle serait cette plante, comment elle va être créée, la taille, les caractéristiques qu'elle va avoir, sa durée de vie, et qui l'a guidée vers ce qui est utile pour elle, utile pour l'humanité, utile pour l'univers, utile pour le bon fonctionnement de ce qu'Allah a décidé pour sa sagesse dans ce monde. Subhanahu wa ta'ala. Naam. D'ailleurs, quand Pharaon, il a dit à Moussa et Haroun, qui est votre seigneur? Et à Moussa, il a dit mon seigneur,
Ou notre Seigneur, c'est celui qui a donné à toute chose sa création, puis qui l'a guidée. Il a guidé toute chose, subhanahu wa ta'ala, ce qui lui est utile. L'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, qui lui a dit que dans la poitrine de sa mère, il y a sa nourriture? Tu le vois, la première chose qu'il fait, il cherche la poitrine pour téter. Comment il sait ça? C'est Allah ta'ala qui l'a guidé à cela. C'est ça le sens de la guidée universelle. L'instinct, ce qui te pousse à aller vers les bonnes choses et à délaisser les mauvaises choses. La guidée religieuse, ça c'est le fait que Allah tabaraka ta'ala a fait qu'il t'a envoyé les messages et les messagers. Le fait que le Coran nous ait été transmis jusqu'à nous. Le fait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été transmise. Le fait qu'Allah a envoyé des messagers et des prophètes à tous les peuples. Ça, c'est la guidée religieuse. C'est-à-dire que la guidée leur est venue. Cette guidée de leur montrer le chemin. De leur exposer. Ça, Allah Ta'ala, il l'a envoyé pour tout le monde. Le muslim, le kafir. Sauf ce Ahl al-Fatra, les gens qui vivent dans l'Amazonie, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. Mais sinon, tous ceux qui ont reçu le message, que la preuve d'Allah, elle aurait été établie, elle aurait arrivé. Ces gens-là, elle est arrivée à eux. La guidée, elle est arrivée à eux. Mais ils l'ont refusée. Certains l'ont refusée, certains l'ont acceptée. Mais la guidée, elle est venue jusqu'à leur porte. La guidée, elle est venue là. Mais c'est eux qui ne l'ont pas acceptée. La preuve, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Sourate Fussilat, verset 17, « Mais Thamoud, le peuple de Thamoud, nous les avons guidés. » فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Donc la guidée, hidayatul irshad, cette guidée religieuse, elle aurait arrivé. Mais quand ils ne l'ont pas acceptée, مَا وَفِّقُوا. Allah Ta'ala, ne leur a pas donné hidayatul tawfiq, la permission d'être croyant, la permission d'accepter. Combien de versets sont venus dans le sens que ceux qui acceptent la guidée, on leur rajoute de la guidée. Et c'est ça, hidayatul tawfiq. Alors que ceux qui refusent la guider, alors ceux qui s'égarent, Allah, il leur rajoute de l'égarement. Allah leur rajoute de l'égarement. Non. Mais il ne les a pas forcés à s'égarer. La guidée leur est venue jusqu'à eux. Il leur a envoyé les messagers, le message, pour que ça leur arrive jusqu'à eux. Et Allah, il appelle à la demeure de la paix et de la félicité, qui est Al-Jannah. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé les messagers. C'est pour ça qu'il a révélé les livres. Subhanahu wa ta'ala. Non. La guidée religieuse, c'est l'objectif pour lequel l'être humain a été créé. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent, sans me donner d'associés. Donc, quand l'être humain sort de cet objectif-là, il devient au plus bas et il est même plus égaré que les animaux, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran. Non. Une fois que l'on sait cela, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui, le Seigneur exalté, le Très-Haut, qui a créé harmonieusement, qui a déterminé chaque chose et qui l'a guidé. Est-ce qu'après cela, on peut se tourner vers autre qu'Allah pour demander nos besoins? Non. Celui qui t'a créé et qui m'a créé du néant, et qui a déterminé toute chose et qui l'a guidé, il n'est pas capable de te guérir quand tu as un manquement. Il t'a créé de néant. C'est quoi pour lui guérir, subhanahu wa ta'ala? Donc, la personne, dans les maladies, dans les difficultés, dans les problèmes, il s'en remet à Allah. Subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de tout faire, le seul qui est capable de tout faire. Même s'il prend les causes légiférées, cela ne contredit pas la confiance en Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soignez-vous, serviteurs d'Allah, car il n'y a pas un mal sans qu'Allah ait descendu dans ce monde. La guérison contre ce mal, le connaît celui qui le connaît, il l'ignore celui qui l'ignore. Donc il n'y a pas de mal à utiliser les causes pour se soigner, les causes licites pour se soigner. Mais la guérison vient d'Allah seul. Si Allah voulait, dans ce médicament-là, il met ta perte, il met ta mort, il met que ton handicap. Alors même si demain tu te soignes en te remettant à Allah, puis en faisant les causes licites, en prenant le médicament, si tu es soigné, si Allah t'a guéri, alors tu sauras que ça vient d'Allah seul. C'est lui qui a décidé que ce médicament ait un bon effet sur toi et qu'il ne laisse pas de mauvaises traces sur toi, qu'il ne soit pas une cause de mal pour toi. Non. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir dit cela, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Et celui qui a fait pousser le pâturage aussi, comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre les pluies pour faire tout pousser le pâturage, pour que les animaux puissent brouter, pour que l'être humain puisse après manger ses animaux.
Ça aussi, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une terre marron, d'un coup, il y a des herbes vertes qui sortent. Subhanallah, mais c'est des choses tellement incroyables, mais on les a oubliées. Comment Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait sortir cela pour l'être humain, et l'être humain, après, il va, il adore autre qu'Allah. Il lui donne des associés. Il l'oublie, il lui désobéit, il est ingrat, il est orgueilleux. C'est la honte. Quelqu'un, s'il se rappelle ne serait-ce que d'un bienfait qu'Allah lui a donné, il doit avoir honte de lui désobéir. Il doit ressentir de la pudeur dans son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui a fait pousser le pâturage et on a fait ensuite un foin sombre. Et ça, c'est Ad-Dunya. Elle est comme ça, Ad-Dunya. Elle est d'abord belle, verte, mais après, qu'est-ce qui se passe? Elle fane. Et ça, c'est toute chose dans ce monde. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui est éternelle. Les beaux champs ou de fleurs, etc., ils vont faner et ils vont mourir. Ça devient jaune et après ça devient du foin et ça part. C'est comme ça la vie de l'être humain. C'est comme ça toute chose dans ce monde-là. Ça naît, ça atteint la fleur de l'âge, comme on dit, puis ça part. Et certains, ils partent même avant cela. Certains, ils partent même avant cela. Et c'est ça que la loi qu'Allah il a fait dans ce dunya. Que rien ne dure dans ce dunya. Toute chose dans ce monde est éphémère. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu ne l'oublieras pas, sauf ce que Allah veut. Car il sait, subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Ici Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va lui faire réciter le Coran de sorte qu'il ne l'oublie pas. Car quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait la révélation au début, Jibril, il venait, il lui récitait les versets, il récitait après lui tout de suite, il s'empressait de réciter de peur d'oublier. Il voulait tout de suite ne pas oublier ce que Jibril, alayhi wa sallam, disait. Donc, dès que Jibril, par exemple, il va lui dire « Walladhi qaddara, walladhi qaddara, walladhi qaddara, walladhi qaddara » pour ne pas oublier. Et alors Allah Ta'ala, il l'a tranquillisé. Il l'a tranquillisé que ce Coran, il va être protégé. Qu'Allah, il l'a choisi, il sera protégé. Cette révélation, elle va être protégée. Allah, il va le faire mémoriser, Allah, il va le protéger dans son cœur. Il ne va pas l'oublier. Donc, il a descendu ce verset pour tranquilliser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sentait la responsabilité de la mission. Allah, il l'a choisi comme prophète et messager. Jibril, il vient, il lui transmet les paroles d'Allah. Imagine-toi, tu n'aurais pas peur, hein, un être humain, qu'on t'envoie un roi, il t'envoie juste un messager, il te dit, attention, dis ça à tout le peuple. Comment tu vas avoir peur d'oublier ne serait-ce qu'une lettre de ce message-là? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sentait la lourdeur de la responsabilité. Il répétait pour ne pas oublier. Allah Ta'ala l'a tranquillisé. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. On va te faire réciter le Coran et tu ne vas pas l'oublier. Puis il a fait une exception. Illa ma sha Allah. Sauf ce que Allah en veut. C'est quoi sauf ce que Allah en veut? C'est comme il est venu dans le Coran. Ça c'est ce qui s'appelle nasikh wal mansukh dans le Coran. C'est-à-dire des révélations qu'Allah a révélées puis Allah il les a abrogées. Au nasikh wal mansukh, il y a plusieurs sortes. Il y a des choses qui ont été abrogées du Coran, lafdan wa hukman. C'est-à-dire, même les textes, c'était des textes qui faisaient partie du Coran et qui ne font plus partie du Coran. Ça a été rapporté dans plusieurs hadiths sahih que certains versets, ils étaient lus d'une manière, puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les lisait plus de cette manière-là. Donc, c'est ça l'istithna ici. Illa masha'Allah. Sauf ce que Allah en veut, c'est comme il est venu dans le Coran, que Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'abrogeant et l'abrogé. Qu'il y a des versets qui vont venir abroger d'autres, que ce soit textuellement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, ces textes-là n'existeront plus, ou bien seulement dans la règle religieuse. Comme par exemple, quand au début, l'alcool était interdit, au début, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il n'y a plus de mal dedans que de bien. Il ne l'a pas interdit. Puis, il a dit, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivre. Puis l'interdiction formelle. Donc cette interdiction formelle, elle est venue abroger ces autres textes. Quelqu'un, il va pas venir dire, ah oui, mais l'important, c'est juste que je viens pas à la salat ivre. En dehors de salat, je peux boire quand je veux. Donc ce hukm-là, ce statut-là, il a été abrogé. Wadih? Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah tabaraka wa ta'ala informe après au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il connaît, subhanahu wa ta'ala, ce qui est dit à haute voix, qui est entendu par tous, ou ce qui est dit à voix basse. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure,
Dans Surat Qaf, Allah Ta'ala dit, nous avons certes créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui insuffle. Subhanahu wa ta'ala. Ceci est caché, ceci est dit à voix basse, ceci n'est pas entendu. Mais Allah Ta'ala l'entend, subhanahu wa ta'ala, et le connaît. Naam. Wa nuyassiruka lil yusra. Puis, une autre promesse. La première promesse qu'Allah Ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il va protéger le Coran, qu'il ne va pas le faire oublier, qu'il va le protéger, préserver en lui, il va le mémoriser. La deuxième promesse, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dit « Wa nuyassiruka lil yusra ». Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Il va lui faciliter tout ce qui est aisé. Alhamdulillah, Allah Ta'ala il a fait que cette religion, elle est facile. Allah Ta'ala n'a pas imposé une chose à l'être humain qu'il n'est pas capable de faire. Il n'a pas voulu réglementer les règles de la religion pour nous mettre dans la gêne. Mais c'est pour nous faciliter, justement. Et parfois, l'être humain, il pense que certaines règles religieuses, c'est pour le mettre dans la gêne, mais en fait, c'est pour le faciliter, c'est pour le préserver du mal. Ou lui, ou la société, ou les gens, ou pour une chose, un mal qui pourrait être présent tout de suite ou plus tard. En vérité, il n'y a pas un ordre religieux sans qu'il y ait le bien derrière cet ordre-là. Et il n'y a pas un interdit sans que le mal soit derrière cette chose-là. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait, nous. Et vous ne savez pas. Et vous ne savez pas. Et la meilleure facilité que l'être humain il a besoin, c'est quand Allah lui facilite l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi il a été créé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a informé que chaque personne, sa destinée lui est déterminée, et qu'il en a informé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ils ont dit dans ce cas-là, pourquoi on ne s'appuie pas sur la destinée et on arrête d'agir? On arrête de faire des actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Il leur a dit non, agissez, car chacun, Allah lui facilitera la voie pour laquelle il a été créé. Car il n'y a pas un être humain qui est créé sans que sa place au paradis et sa place en enfer, elles sont déjà là pour lui. Celui qui est destiné pour le paradis, sa place, elle est déjà là, elle l'attend. Celui qui est destiné pour l'enfer, sa place en enfer, elle l'attend. Mais l'être humain, il ne connaît pas cela. Il ne connaît pas la fin des choses. S'il est sincère, il agit, Allah lui facilitera le chemin vers le bien. Et il mourra, Inch'Allah, sur le bien. Par contre, celui qui n'est pas sincère et qui n'agit pas, ou bien qui veut juste faire cela par ostentation, alors comme on a vu peut-être, on a déjà parlé du hadith d'Ibn Mas'ud, que sa destinée, elle le devance, et il fait un acte des gens de l'enfer, et il meurt sur cet acte-là. Parce qu'il n'est pas sincère, il ne cherchait pas. En apparence, il faisait les actes des gens du paradis, mais en réalité, il faisait les actes des gens de l'enfer, car il n'était pas sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit cela en parlant justement pour montrer comment Allah il facilite à celui qui fait les bonnes actions, celui qui agit. Allah tabaraka wa ta'ala dit celui qui donne et qui craint et qui rend véridique la récompense, alors nous lui faciliterons les bonnes choses, le bon chemin. Donc regardez à qui Allah ta'ala facilite le bon chemin, celui qui agit dans le bien, celui qui cherche le bien. Est-ce que quelqu'un ici, aujourd'hui, peut t'empêcher de faire un bien? Allah Ta'ala t'a donné cette volonté-là. Il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné cette vie pour pouvoir agir. Donc, si tu n'agis pas ici, tu ne pourras n'en vouloir qu'à toi-même. De l'autre côté, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. À cause de ses mauvaises actions, c'est le chemin du mal qui lui a été facilité et ouvert. Ce n'est pas par injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cherché l'égarement, Allah l'a égaré. Celui qui a cherché l'a guidé, Allah l'a guidé. Et c'est lui qui connaît le mieux, subhanahu wa ta'ala, qui sont les gens vertueux et les gens qui se prémunissent de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que la personne, si elle veut faire le bien, et qu'elle cherche à faire le bien, Allah lui ouvrira les portes du bien, c'est que Allah ne lui demande pas de compte sur les choses qu'il fait par contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plume est levée pour celui qui fait les choses par contrainte. Même dans le péché le pire dans l'islam qui est le kufr. Si quelqu'un le fait sous la contrainte, ça ne lui est pas compté. Comme le cas d'Ammar ibn Yasir. Ils l'ont poussé à dire la parole de kufr, mais son cœur il était tranquillisé avec la foi. Allah Ta'ala a révélé des versets. Pour montrer que vraiment, si quelqu'un veut faire le bien, Allah lui facilite le bien. Et celui-même qui veut faire le mal, Allah Ta'ala, il le pousse vers le chemin du mal. Parce que c'est ce qu'il a voulu.
Et celui qu'on a contraint à faire le mal, Allah ne lui demande pas de compte. فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى. Et rappelle donc où le rappel doit être utile. Ce verset-là, où Allah tabaraka wa ta'ala annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel. فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى. Est-ce qu'elle est shartiyya, ici dans le sens seulement, rappel seulement si le rappel il est utile. Ou bien, elle est dans le sens que où le rappel doit être utile, c'est-à-dire que le rappel il sera quand même utile, quoi qu'il en soit. Enfin, le rappel, quoi qu'il en soit, il est utile. Il est au moins utile pour celui qui l'a fait. Car en faisant cela, il s'est approché d'Allah. Donc en vérité, le rappel est toujours utile. Mais c'est pour celui qui l'écoute qui peut être profitable ou non profitable. Et on a vu auparavant que le rappel, il est profitable pour qui ? Pour les croyants. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel, il est profitable pour le croyant. Et celui qui le rappelle n'est pas profitable pour lui, il doit se poser des questions sur sa foi. Celui qui entend le rappel et qui n'en tire pas profit, c'est qu'il a une foi faible. Car celui qui a une foi forte, qui est un vrai croyant, il profite toujours du rappel. Il profite toujours du rappel. Non. Donc le rappel, c'est un intérêt, quoi qu'il en soit. Car les savants, justement, ont divergé sur ce verset. Certains ont dit non, tu ne fais pas le rappel si tu vois qu'il est inutile. Ou bien, tu ne fais pas le rappel. Certains ont dit non, tu fais le rappel quoi qu'il en soit, que ce soit utile ou inutile, parce qu'il sera utile de toute façon pour toi. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut en tirer, comme l'imam Sa'di a dit, c'est que si l'intérêt, le bien, il est dans le fait de faire ce rappel, il est supérieur, alors tu fais le rappel. Que la personne en face, elle en tire profit ou non. Si par contre, c'est-à-dire le cas général, où les résultats de ce rappel, ils vont être plus mauvais que le fait de se taire, dans ce cas-là, tu te tais, comme le cas de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Par exemple, si tu sais qu'en venant déconseiller le blâmable à quelqu'un, tu vas le pousser dans un blâmable encore plus grand, alors tu ne déconseilles pas le blâmable à ce moment-là. C'est pour ça qu'Allah, par exemple, a interdit d'insulter les divinités en dehors d'Allah. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est interdit ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont honorables ? Non. Insulter les divinités, c'est des hasanat. Mais parce que ça pousse les kuffars à insulter Allah en transgressant par ignorance. Donc il y a un mal plus grand. Le résultat, c'est un mal plus grand que d'insulter leur divinité. Donc, vaut mieux pas les insulter pour pas qu'ils insultent Allah. D'ailleurs, ça c'est un rappel pour tous les gens qui, en France ou dans les pays occidentaux, veulent provoquer les koufars. Ils provoquent les koufars. Après, ces koufars-là, ils se moquent de l'islam, ils attaquent les musulmans, ils manquent de respect au Coran, ils manquent du respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qui est la cause, qui est la personne qui porte tous les péchés de cela ? Celui qui les a provoqués. Pourquoi tu viens de toucher leur divinité ? Eux, par exemple, ils adorent certaines choses. Eux, ils adorent la laïcité. Eux, ils adorent le code civil. Toi, tu viens, tu mets un coup de pied dans le code civil devant tout le monde. Après, lui, il insulte le Coran, il brûle le Coran, il insulte les musulmans. Qui a le péché ? Qui a le péché ? C'est toi qui l'as poussé à faire cela. Ne provoque pas. Même si on sait que c'est faux, mais tu es en faiblesse, pourquoi tu vas le provoquer ? Tu provoques quand tu es en force. Quand tu as une armée de musulmans forts, un musulman vient, il provoque, et après il les rabaisse, et après il leur donne la fessée. D'accord, mais là tu provoques pour après recevoir la fessée. Tais-toi, reste chez toi, et crains Allah subhanahu wa ta'ala, et fais la da'wah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté quand il était à la Mecque parce qu'il était en faiblesse. Pourtant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de confiance en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que les compagnons qui étaient avec lui à l'époque, Abu Bakr, Omar, des lions ? Wallahi, des lions, ils sont prêts. Si Allah leur avait donné l'ordre de combattre 100 000 personnes, ils seraient sortis les combattre tout seuls. Mais ils ont appliqué ce qu'Allah leur a ordonné. Tu es en faiblesse, l'islam il doit se répandre. Oui, toi tu vas aller combattre, tu meurs fisabilillah, les gens... Oui, après. Après, il ne reste plus de gens forts pour transmettre l'islam. Après, qu'est-ce qui se passe ? Après, l'islam il meurt. Donc c'est des égoïstes ces gens-là. Ils pensent que lui, qu'est-ce qu'il va gagner soi-disant comme hasanat lui ? Mais en vérité, parfois, il fait plus de péchés parce qu'il ne pense pas au bien de la religion. Il ne pense pas au bien de la Ummah.
pense que lui, comment il va s'en sortir? Il y a des gens, ils en ont marre de cette vie, cherchent n'importe quelle situation pour s'en débarrasser en vérité. C'est pas pour le bien de la Oumma. C'est pas la jalousie pour l'islam qui le pousse. Il a un coup de ferveur comme ça, et il dit, ah, Allahu Akbar, je vais mourir martyr. C'est un vrai djihad, c'est pas un vrai djihad, c'est légiféré, c'est pas légiféré. Il en a rien à faire. Lui, il veut se débarrasser de cette vie en vérité. Il cherche pas l'intérêt de la Oumma. S'il réfléchissait bien, il verrait que l'intérêt de la Oumma, ce n'est pas ça. Que tous ces soi-disant djihad, ils sont pas légiférés. C'est pas le djihad que Allah tabaraka ta'ala a légiféré, qui est avec des codes bien précis. C'est pas comme on voit n'importe quoi comme aujourd'hui. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une daoula. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un pays. Il était dirigeant, gouverneur d'un pays avec une armée. C'est pas des bandits de grand chemin qui allaient à gauche, à droite, faire n'importe quoi. C'était des relations entre pays. Des relations de paix, des relations de guerre, des relations d'alliance, des relations de... Voilà. Comme on peut trouver aujourd'hui. C'était comme ça au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il soit gouverneur d'un pays. Le djihad, il existait ? Armée ? Non. Quand il a été gouverneur d'un pays, même les koufars qui étaient sous le pays d'Al-Madina, il y avait des koufars aussi qui vivaient avec eux. Il y avait des mounafiqins qui allaient combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des koufars, ils allaient dans l'armée des musulmans, ils combattaient avec eux. Donc c'est pas comme on croit aujourd'hui. Ce qu'on entend, les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est tout, Allahu Akbar, ça y est, il a chauffé tout de suite, il va, il revient, il a tout kharab. Et il a cassé beaucoup plus que ce qu'il a construit. Naam. Fadakir inna fa'ati dhikra. Rappelle quand le rappel, il est profitable. Donc toute cette règle-là, que quand un acte, il va avoir des conséquences néfastes sur le bien général des musulmans, ou sur, c'est-à-dire le mal qui va en découler, il est plus grand que le mal qui existe, tu ne le fais pas. Même si ton objectif, c'est de repousser un mal. Mais si c'est pour faire venir un mal plus grand, c'est pas la peine. Et c'est ça le sens quand les ulama parlaient, par exemple, dans certains pays. Oui, on se défend contre l'oppresseur. Oui, je ne sais quoi. Mais dis-toi, t'en tues un de chez eux. Eux, ils en ont tué 1000 de chez toi. Ils ont détruit le pays. T'as gagné quoi? Rien. Quand t'es faible, il y a une seule chose à faire. Patienter et faire la hijra. À part ça, t'as pas de solution. Patienter, faire la hijra, faire la da'wah. C'est la seule chose que t'as. T'as rien d'autre. Quand Allah Ta'ala, il va décider autre chose, alhamdoulilah. Peut-être tu le verras de tes yeux de ton vivant. Peut-être on ne le verra pas, nous, de nos yeux de nos vivants. Mais ça viendra, c'est sûr. Allah, il l'a promis dans le Coran. Le prophète Sa'asan, il l'a promis que l'islam va rentrer dans chaque maison. Campagne, ville. Il va honorer celui qui va l'accepter. Il va ravir celui qui va le refuser. Ça, c'est une promesse du prophète Sa'asan, ça va arriver. On va le voir de nos yeux, on ne va pas le voir. Peu importe. Nous, on sait que ça va arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, le prophète Sa'asan, à Khabbab ibn al-Arat. Qu'est-ce qu'il avait subi, Khabbab ibn al-Arat? Ils l'ont attrapé, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont mis son dos sur des braises brûlantes. Jusqu'à ce qu'il a éteint les braises, c'est quoi? C'est l'eau et la graisse de son dos. Son dos, il était comme des cratères. Radiallahu anhu. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé à l'ombre de la Kaaba. Il lui a dit, oh messager d'Allah, tu ne fais pas de dua pour nous? Tu ne demandes pas à Allah l'aide pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé. Il lui a dit, il y avait des gens avant vous. Parce qu'ils avaient la foi, on les prenait, on les mettait dans un trou, on les sciait en deux. D'autres, on leur arrachait la chair de leur crâne avec des peignes de fer. Et ça ne les faisait pas renier leur foi. Mais vous, vous êtes un peuple pressé. Et là, il lui a dit le hadith. Il lui a dit, Khabbab, cette religion, elle va rentrer dans la maison de chacun. Imagine dans quelle situation ils étaient à la Mecque. Regarde d'où, de quoi il sort Khabbab ibn al-Arat. Regarde de quelle situation il sort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la religion va rentrer dans chaque maison. Il lui dit, cette religion va rentrer dans chaque maison, de campagne ou de ville. Elle va honorer celui qui l'accepte, elle va ravir celui qui va la refuser. Jusqu'à, il a dit que la femme, avec son troupeau, elle va aller de Sana'a à Hadramaut, sans craindre pour son troupeau, que Allah et le loup pour son troupeau. Donc, ça c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute qu'elle va arriver. C'est pour ça, l'intérêt et les méfaits, c'est pas aux petits jeunes prédicateurs de parler de ces choses-là. Quel est l'intérêt? Quel est le méfait dans des situations? Dans les situations qui arrivent à la Oumma, il n'y a que les grands âgés parmi les savants qui décident ces choses-là. Ce n'est pas n'importe qui parle de ces choses-là. Les grands dans la science et âgés aussi, qui ont passé des années que leurs os, ils se sont usés dans la science.
Ce sont eux qui parlent de ces sujets-là. Regardez par exemple Jama'at al-Takfir. Les seuls dirigeants qu'ils ont, c'est que des jeunes. Plus vieux parmi eux, ils doivent avoir 50 ans. Maintenant, avant qu'ils ont commencé, ils appelaient des gens aux gens, ils avaient peut-être 20 ou 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire, les, soi-disant, leur tête qui dit c'est nos ulama, tu regardes, c'était que des petits jeunes prédicateurs qui étaient chauds bouillants. Mais jamais tu les vois revenir aux grands savants sur lesquels la communauté s'est mise d'accord. Et voilà pourquoi ils se sont égarés. Ils ont choisi, ils se sont mis dans un piège tout seuls. Ils ont choisi l'égarement, Allah il les a égarés. Qui t'a dit de revenir à ce genre de personnes? Personne. C'est toi-même, ton nefs, ton âme, shaitan, tes passions. Elles t'ont poussé à aller écouter ces égarés. Tu t'es égaré avec eux. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Après ce rappel-là, il va y avoir deux catégories de personnes. La personne qui va se rappeler et la personne qui va s'écarter. La personne qui va se rappeler, Allah Ta'ala a dit, celui qui a la khashya. Et la khashya, c'est une peur qui est liée avec la science, avec la connaissance de la grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de ses règles. C'est ça le khashya. C'est pour ça Allah Ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u » Seuls craignent réellement Allah parmi ses serviteurs, les savants. Car ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent ses règles. Donc ils ont la khashya. Haqiqat al-khashya. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des serviteurs du miséricordieux, il dit « Walladina idha dhukiru bi ayati rabbihim » Ceux qui, quand on leur rappelle les signes et les versets de leur Seigneur, ils ne se s'entêtent pas, ils ne restent pas sourds et aveugles devant ces versets. Mais ils répondent à ces versets, ils les acceptent et ils se rappellent. Et c'est ça le cas du croyant. C'est comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, « Wa dhikir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin » Le rappel, il fait du bien au croyant. Il est utile pour le croyant. La deuxième catégorie, c'est celle qui va s'écarter. « Wa yatajannabuha al-ashqa » Et s'en écartera le plus malheureux, le grand perdant. « Sirat mubalara » C'est-à-dire, c'est le très grand perdant. Ce n'est pas juste qu'il a perdu. Il a perdu énormément, car il a tout perdu. Et c'est pour ça qu'en vérité, ici, Allah Ta'ala, il parle du kafir, du mécréant. C'est pas le musulman faible dans sa foi. Parce que le musulman faible dans la foi, on peut pas dire wal ashqa, le plus grand perdant, parce qu'il ne reste pas éternellement en enfer. Il peut être perdant, en perdant une partie du bien, ou alors en méritant un séjour en enfer. Mais, Inch'Allah, si c'est un croyant, il sort pour aller au paradis et rester demeurer éternellement. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka Ta'ala, en parlant de celui-là, il a dit quoi ? Alladhi asla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Celui qui brûlera dans le grand feu. Car le feu de l'enfer, il est grand par rapport au feu de ce bas monde. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le feu de ce bas monde n'est que 1/70 du feu de l'enfer. Ce qui peut être le plus brûlant dans ce monde, ce n'est que 1/70 du feu de l'enfer. Imaginez-vous alors, Allah al-musta'an, Allah yahfazana jami'an. Naam. Et il sera comment là-bas ? Quel sera son état ? ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Il n'y mourra pas et il n'y vivra pas. En fait, ici, il faut une explication. Parce que quelqu'un va dire, comment ça ? Il ne meurt pas, il ne vit pas. Et donc, il n'est pas mort et il n'est pas vivant. Naam. Il n'y mourra pas. Oui. C'est-à-dire qu'il ne trouvera pas de repos. Quand la personne, elle meurt, elle se libère de l'état dans lequel elle est. Donc, et eux, ils aimeraient bien mourir pour ne plus être châtiés. C'est pour ça qu'ils vont dire, Yamal, que ton Seigneur en finisse avec nous, qu'il nous détruise. Non, vous y resterez éternellement. Voilà, Yahya, et il ne vivra pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vivants. Il ne vit pas une vie heureuse, dans ce sens-là. Il ne vit pas une vie de repos. Donc, on ne peut pas appeler ça une vie. Même s'il vit une vie dans l'enfer, une vie de châtiment en réalité. Mais ce n'est pas une vie heureuse, c'est dans ce sens-là ici. Ça ne veut pas dire qu'il est ni mort ni vivant. Il ne vit qu'une vie de châtiment sur la salamata wa la afia. Naam. Puis Allah tabarak wa ta'ala parle de ceux qui vont réussir. Qad aflaha man tazakka. Certes, a réussi celui qui s'est purifié. Pourquoi on appelle la zakat la zakat? Cela purifie la personne des mauvais comportements comme l'avarice, l'égoïsme, car il partage. Donc c'est pour ça qu'on appelle la zakat la zakat. Car ça purifie son argent et cela purifie la personne. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ici « Qad aflaha ». Al-falah, c'est un nom qui englobe la finalisation de tout bien et l'éloignement de tout ce qui est mal et nuisible. C'est ça al-falah.
Quand Allah Ta'ala dit Qad aflaha a certes récolté le succès, man tazakka, celui qui se purifie. Et ici, c'est une annonce pour nous tous. C'est-à-dire, Ya Abdallah, toi, serviteur d'Allah, si tu veux réussir, alors il faut te purifier. Te purifier de quoi ? Et tazkiya, elle est sur trois choses. Toi envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le serviteur envers les créatures, envers les autres créatures. Envers Allah, c'est que tu te purifies du shirk, du polythéisme. Et que tu voues un culte exclusif à Allah. Tu n'adores que lui. Tu t'en remets à lui. Tu mets ta confiance en lui. Tu n'invoques que lui. Tu ne crains que lui, la vraie crainte. Tu espères l'espérance qu'il mérite qu'Allah, qu'en lui, subhanahu wa ta'ala. Dans tous tes actes, tu ne recherches que le visage d'Allah. Tu ne lui donnes pas d'associé dans tes actes. C'est-à-dire que tu ne fais pas tes actes avec ostentation. Tu ne cherches pas les louanges des gens. Tu ne cherches pas de récompense mondaine dans les actes d'adoration. Tu ne recherches pas la célébrité, une place, la présidence, que les gens te regardent, d'attirer le regard des gens. Tu ne recherches rien parmi les choses de ce bas monde. Tu ne recherches que le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Sa récompense qu'il a préparée pour le muttaqin, pour les gens pieux. C'est ça, at-tazkiya, en premier lieu. C'est que tu voues une adoration sincère, pure à Allah, subhanahu wa ta'ala, sans associé. Et ça, c'est le sens essentiel de la tazkiya. Et subhanallah, les sectes soufis, elles sont là à parler de tazkiya du matin au soir. Ils ont oublié le sens le plus important de la tazkiya. Ils donnent des associés à Allah et ils sont là, ils font l'effort que sur le comportement. Leur sens premier pour la tazkiya, ils ont oublié les deux sens essentiels, ils ont pris que le dernier. Le comportement entre toi et les créatures, c'est tout. La gentillesse, le sourire, on aime tout le monde. D'accord, c'est bien, ça fait partie de la tazkiya. Mais il y a deux sens qui sont au-dessus de cela, essentiels, qui sont d'abord la purifier tes actes, purifier ton cœur, que la sincérité elle emplisse ton cœur, que tu ne voues qu'un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lui donnes pas d'associé. Et ça, ils sont tous tombés dedans, illa man rahim Allah, dans leur exagération au sein, dans leurs exagérations envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième sens de la tazkiya, c'est ta relation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu purifies tes actes de toute innovation. Que tes actes soient purement du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu ne fasses rien dans la religion avant que tu aies en cela un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunnah, plus qu'à ton attachement à toute chose. Que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta femme, tes enfants, ta famille, tes amis, ta propre personne, tes biens, l'argent. Après Allah Ta'ala, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu dois aimer le plus. C'est ça, que tu purifies tes actes de toute innovation. Que tes actes soient sincèrement et purement et uniquement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu purifies tes paroles de toute innovation. Tes croyances, tes actes, ta da'wa, ton organisation, toute chose, tout acte religieux que tu fais, ça doit être purement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, c'est envers les créatures. Que tu ne portes pas dans ton cœur la haine envers les musulmans. Tu ne portes pas dans ton cœur la jalousie envers les musulmans. Que tu ne portes pas dans ton cœur d'orgueil envers les musulmans. Que tu ne méprises pas les musulmans. Que tu ne les regardes pas de haut. Que tu ne sentes pas que tu es mieux qu'eux. Que tu ne triches pas avec eux. Que tu ne leur mentes pas. Que tu sois un bon conseiller pour eux. Que tu sois loyal avec eux. Etc. etc. C'est ça le sens de la tazkiya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère en bien ce qu'il aime pour lui-même. Et parmi les causes de matérialiser cela, c'est le fait de passer salam. Passer le salam à tous les musulmans. Celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encouragé. Il a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas de croyants. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique un acte? Qu'en le faisant, vous aimerez les uns les autres? Répandez le salut entre vous. Dans un autre hadith, il a dit à une personne, passe le salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas parmi les musulmans. Aujourd'hui, on passe le salam qu'à celui qu'on connaît. Tu rencontres un musulman que tu ne connais pas, tu le croises, subhanallah, en plus dans le ghurba, on est dans un pays de kufr,
Il y a peu de musulmans, même là, on se regarde comme s'il n'existait pas. Je suis passé à côté d'un poteau. Dis assalamu alaikum. Tu vois que c'est un musulman, salam alayhi. Il va te dire, ah, tu me connais? Non, je te connais pas. Assalamu alaikum. Tellement maintenant, c'est devenu rare de passer salam à quelqu'un que tu connais pas. Tu vas dire salam alaikum, il va te demander, on se connaît? Non, je te passe salam parce que j'ai vu que tu étais musulman. Ça, c'est une cause, inshallah, de purifier son cœur envers les musulmans et de ne pas garder de rancœur envers eux, d'aimer pour le bien pour eux, d'aimer la guider pour eux, d'aimer qu'ils s'éloignent de l'égarement, d'être un bon conseiller pour eux, de ne pas porter de haine envers eux, de ne pas penser du mal sur eux, sauf celui qui fait le mal en plein public ou en apparence. Puis qui a énoncé le nom de son Seigneur et il a prié, il a fait la salat. Ici, certains ulama ont dit « Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fa salla » Ils ont dit ça, cela parle de salat al-Eid, Eid al-Fitr. Il a donné la zakat, al-Fitr, le nom de son Seigneur a été énoncé, c'est-à-dire la khutbah, fa salla. Puis ils ont fait la salat. On peut dire que ça rentre dedans, mais ce verset, il n'est pas venu spécifier cela. Il est plus général que ça. Mais on peut rentrer dedans salat al-Eid, toutes les salats en vérité. Car toutes les salats, on énonce le nom d'Allah avant. Le dhikr, on le fait, par exemple, quand tu fais les ablutions. Pourquoi tu fais les ablutions? Pour obéir à Allah. Pour évoquer Allah. Tu viens, tu dis bismillah. Tu commences les ablutions par bismillah. Puis tu fais les ablutions. Puis à la fin, tu fais dua aussi. Tu énonces le nom d'Allah. Puis tu fais la prière. Donc ça... Ça, ça englobe toutes les salats. Parce qu'avant toute salat, tu fais l'audo, tu énonces le nom d'Allah et puis tu fais la salat. Wadih. Et certains ont dit que c'était la khutba de l'Jum'a aussi, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّهِ, parce qu'il y a la khutba, il y a le dhikr, puis après il y a la salat. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé la khutba al-dhikr. Il a dit subhanahu wa ta'ala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Donc il a appelé la khutba dhikrullah. Et quand il a dit énoncer le nom d'Allah, c'est-à-dire avec ta langue, c'est pour ça il dit ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. Il a pas dit وَذَكَرَ رَبَّهُ subhanahu wa ta'ala, parce que tu peux évoquer Allah dans ton cœur, penser à lui. Mais ici, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, c'est-à-dire avec ta langue et ton cœur. Naam. Et la base dans le dhikr, c'est le cœur. S'il y a la langue et il n'y a pas le cœur, il n'y a rien. L'évocation, c'est le fait que tu te rappelles d'Allah. Si ta langue, elle dit subhanallah, 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 et ton cœur, il est lahin, insouciant, distrait, alhamdulillah, Allah ta'ala, inshallah, il te donne la récompense pour ton dhikr et les paroles, mais en vérité, tu n'as pas l'effet du dhikr escompté. Que ton cœur il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal tu'thirun al-hayat ad-dunya wal-akhirah khayrun wa abqa. Mais vous préférez la vie de ce bas monde. Ad-dunya, pourquoi l'être humain il préfère ad-dunya? Parce que khuliqa al-insanu min ajal. L'être humain il est pressé. Et ad-dunya, Allah ta'ala il a appelé al-ajila. Celle qui s'empresse, elle est déjà là. Et l'au-delà, elle est appelée l'akhira, celle qui vient après. N'est-ce pas? Dans la nature d'être humain, c'est qu'il est pressé, il veut tout de suite. Allah Ta'ala elle dit que l'être humain, il est créé d'empressement. Et il a appelé ce bas monde l'ajila, celle qui est empressée, celle qui vient tout de suite, elle est déjà là. C'est pour ça que les gens, ils préfèrent celle-là. Ils préfèrent 1 euro maintenant que 1 milliard après. C'est malheureux, mais l'être humain, il est comme ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme quelqu'un qui entre son doigt dans la mer, puis qu'il le ressort. Qu'est-ce qu'il en a pris? Rien. Voilà c'est quoi ce bas monde par rapport à l'au-delà. Ad-dunya, il a 2 sens. Pourquoi l'être humain, il aime bien ad-dunya? Lidunu wihi, car il est proche. Et ad-dunya, dans le sens aussi, il est bas par rapport à l'akhira, qui est élevé. Donc, dunya par rapport à l'akhira, il est plus proche que l'akhira, car il est déjà là. L'akhira, il vient après. Et dunya par rapport à l'akhira, il est abaissé, il est avili, alors que l'akhira, il est élevé. Donc, l'être humain, il préfère l'empressement plutôt qu'attendre et gagner dans l'au-delà. Et c'est pour ça que l'être humain, il a besoin de se purifier, de changer cette nature de l'empressement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé d'être patient. Seuls les patients reçoivent leur récompense, sans compter. Et la patience, c'est ça. C'est être constant dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Alors que l'au-delà, elle est meilleure
et plus durable. Ce bas monde, il est peut-être ici, mais il va finir, il va faner. Il n'y a rien qui reste dans ce monde. Alors que l'au-delà, il est éternel. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce bas monde, il est peut-être ici tout de suite, mais il est fait plein de manquements. Des maladies, des soucis, des peines. Tu n'es pas heureux tous les jours. Tu n'es pas en pleine forme tous les jours. Tu n'es pas en santé tous les jours. Tu n'as pas la facilité tous les jours. Il y a des... Ça va et ça vient. Alors que dans l'au-delà, non. Celui qui entre au paradis, il ne sera plus jamais malade, plus jamais misérable, plus jamais vieux, mais il restera jeune éternellement et il ne connaîtra jamais la mort. Non. Donc celui qui préfère ce monde à l'au-delà, il a vendu à vil prix la réussite, le bonheur éternel, la félicité éternelle pour un plaisir ici qui est éphémère. Et en réalité, même ce plaisir, ce n'est pas un plaisir. Car celui qui ne connaît pas Allah, il ne goûtera pas au plaisir ici. Celui qui connaît Allah, il goûte au plaisir dans ce monde déjà. Il goûte à la douceur de la foi. Cette douceur-là, celui qui la goûte, il est prêt à sacrifier tout ce qu'il y a dans le monde pour ne pas la perdre. La douceur de la foi, c'est un paradis déjà sur terre pour la personne qui la goûte. Et celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur aura deux paradis. Certains ont dit, c'est-à-dire un paradis sur terre et dans l'au-delà. Son paradis sur terre, c'est cette douceur qu'il a goûtée dans la foi, dans l'obéissance d'Allah, dans la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les plaisirs qu'il trouve dans les actes d'adoration. Comment vous pouvez expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait des heures debout pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs? Comment vous pouvez expliquer que Uthman ibn Affan, il lisait dans Salat al-Witr, il lisait tout le Coran dans une nuit, tout le Coran? Comment vous expliquez qu'Abdullah ibn Zubair, il fait la salade, des murs s'écroulent devant lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Comment vous expliquez que certains compagnons, ils sont en salade, ils ont reçu des flèches, ils continuent la salade, ils ne sortent pas de la salade. Il a des flèches dans son corps, il continue la salade. Comment vous expliquez ça? Imaginez-vous, quelqu'un, il prend le plus grand plaisir de ce bas-monde, il reçoit des flèches, il continue. Ces hommes-là, ils reçoivent des flèches, ils continuent la salade. C'est que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la douceur dans l'adoration et la douceur de la foi. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ceci, cette annonce, ce rappel-là, tout ce qui a été énoncé dans ces versets, c'est aussi présent, ce rappel, c'est aussi présent dans les premiers feuillets, dans les premières révélations, comme celle de Ibrahim et de Moussa, qui ont reçu ces révélations-là, dans lesquelles il y avait aussi le rappel. Dans lequel aussi il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de glorifier le nom d'Allah, du fait qu'il faut se purifier, du fait que l'au-delà est mieux que ce bas monde, la demeure de ceux qui ont réussi et la demeure de ceux qui ont perdu. Ce rappel-là, il était aussi présent fi suhuf Ibrahim wa Moussa, dans les feuilles d'Ibrahim et Moussa, alayhim assalam. Et on apprend par cela aussi que Ibrahim et Moussa, ils ont reçu des feuillets. عليهم السلام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وقل رب زدني علما